Bonjour, mon coup de cœur en bande dessinée, RIP, la nouvelle série de thrillers, événements, un univers glauque et fascinant. En ce début d'année 2021, 3 tomes sont déjà disponibles à la médiathèque et il y aura une suite, le tome 4 est en route. Il y aura 6 tomes en tout et il faudra relire l'ensemble de la série quand les 6 tomes seront sortis pour apprécier pleinement l'ensemble de l'œuvre. Paru aux éditions Petit à Petit. Les auteurs pour le scénario, Gatz et Julien Monnier pour l'illustration. Tome 1, d'Éric, je ne survivrai pas à la mort. Tome 2, Maurice, les mouches suivent toujours les charognes. Tome 3, Ahmed, au bon endroit, au mauvais moment. RIP, abréviation latine qu'il faut traduire par repose en paix, invite à pénétrer dans un univers tout à fait singulier, extrêmement fouillé et noir à souhait. Des albums bien construits qui nous font découvrir le métier de videur de biens précieux pour cadavres morts dans l'indifférence générale. Ces gens qui n'ont pas de famille, pas d'entourage, pas d'amis, ils vont parfois rester longtemps chez eux avant qu'on ne les découvre. Heureusement, la société qui emploie Derrick et ses collègues est chargée de faire le ménage avant que toute la famille ne défile. Ce qu'ils découvrent n'est pas toujours beau à voir. Avant l'intervention des pompes funèbres, leurs biens sont saisis afin d'être mis en vente aux enchères. Et tout ceci pourquoi? Pour gagner seulement 3 francs 6 sous. Alors la tentation est grande quand se présente l'occasion de voler. On découvre cette équipe glauque de videurs et leurs aventures. Dans la brigade, ils sont 6. Parmi eux, il y a Derrick, un aimable alcoolique rendu aigri et usé par ce job pénible. Dans le deuxième tome, Maurice, vieux barbu, nous plonge dans son quotidien macabre. Il nous dévoile sa véritable identité, celle qu'il cache depuis des années, pour protéger sa fille, en vain. L'auteur a bichonné son scénario pendant près de 5 années pour pouvoir le servir aux petits oignons. Son concept à la fois original et infaillible, la narration débute avec le personnage central, s'adressant directement au lecteur, pour, dans un premier temps, décrire son cadre de vie, puis pour présenter les lascars qui évoluent à ses côtés. Ensuite, le récit prend un virage considérable pour laisser place à une intrigue dont les engrenages sont imparables, aspirant nombre de protagonistes dans une descente aux enfers. Car non content de peindre son héros comme un mélancolique psychiquement atteint de troubles émotionnels et affectifs, l'auteur le soumet à une nouvelle épreuve, celle de la tentation. Si la trame sort tout droit de l'imagination de l'auteur, en revanche, pour avoir été rapporté à ses oreilles, le métier particulièrement glauque de ces pauvres bougres est, semble-t-il, ailleurs bien réel. Excellent et original. Une intrigue qui sort de l'ordinaire. Des illustrations géniales, d'une rare intensité. Les bandes dessinées sont plus vite lues et plus attrayantes que les romans. Ce sont des histoires courtes et le dessin, la mise en page, nous aide à y voir plus clair. C'est une lecture divertissante et souvent gaie, avec des couleurs chatoyantes. Mais il y a différents styles, graphiques, couleurs ou noir et blanc. Maintenant, elles sont souvent agrémentées de cahiers graphiques. C'est plus complet et riche avec des explications, des biographies,
du détail sur l'histoire qu'elle raconte. Il y a des one-shots, des tomes, des suites, des séries, des saisons, des cycles. C'est très varié. Elles ont bien évolué. Et je vous conseille vivement de venir vous faire plaisir à les emprunter à la médiathèque de Cattenom. Nous avons une sélection riche et complète qui vous ravira.